Salut Vaudé, on est au plateau d'Altus. Je viens juste d'y arriver grâce à un petit portail. Et je vais visiter ce dernier. J'ai changé un peu des trucs dans mon build, mais je pas beaucoup. C'est qui ça? Je peux pas le viser. C'est une statue? Un réflexe, franchement. J'essaie de taper tous les PNJ que j'ai croisés. Je suis peut-être un peu emporté là. Mais en tout cas, il me montrait un truc au loin. Il me montrait ça là-bas. Hop. Mais on entend encore les mobs chelous qui rigolent en pleurant ou qui pleurent en rigolant. Oh, regardez là-bas. Faut qu'on aille les raqueter. Comment niquer une quête en 2 secondes? Peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. En vrai. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. On verra. Pas grave. Au pire, j'irai... J'irai demander pardon à... Oh! Mais c'est trop sympa! Il faut la fête! Attends! Attention mesdames, hein. Je suis un peu énervée. C'est beaucoup trop violent! Allez. Ok. Je peux danser avec elle? On n'a pas une émote danse? Non, pas ça. Je suis sûre que si je danse avec elles seront trop contentes. Ça, révérence. Punaise, on n'a pas d'émote danse. Mais ça me manque de fou une émote danse là. Je vais faire ça. Oh, je peux juste faire un saut. Mais non, je vais faire un saut de joie. J'aime bien ces dames. J'ai récupéré la lame météorite Katana Intel aussi. La lame météorite, je connais pas. Ou alors c'est celui que j'ai avant. Eu avant. Pas répondu sur Katana. Si, je t'ai répondu. Je me demandais si c'était l'éclipse lunaire et je t'ai dit oui, tout à fait, c'est l'éclipse lunaire. Mais j'ai répondu là il y a un petit moment maintenant. À moins que t'aies posé une autre question entre temps, mais il y en a pas d'autres. Bon bah elle est sympa cet endroit hein. Moi j'aime bien que les villageois et villageoises trouvent un moyen assez sain de se dépenser et surtout de célébrer quoi. Là ça célèbre. Je sais pas ce que ça célèbre mais ça célèbre. J'aurais bien aimé danser avec vous mais je peux pas. J'ai pas d'émote. J'ai vu un gars avec un fond vert qui a trop bien géré son truc. Il s'est foutu... Il s'est foutu au milieu d'elle, il a foutu son fond vert en... C'est officiel, c'est Lox la meilleure. En mode il est assez éloigné pour qu'il soit à la même taille, il a dansé avec, ça faisait trop bien. Raconter c'est un peu nul, mais en vrai c'était sympa. Merci Kizou. Décalé un peu. Bon,
Toi aussi, c'était déstabilisé? Ouais, je vois bien que t'es déstabilisé. On va continuer un petit peu à fouiller. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a d'autres moulins. On va pas tout de suite se rendre à l'immense... rempart, château, tout ça. Pas tout de suite, quoi. On va peut-être descendre un peu avant. Pour la météorite, j'attendais une réponse. Ah ok. Je sais pas, t'as parlé de katana. Possible. Mais je sais pas, de toute façon c'est pas ce qu'il me faut. Moi j'ai que... Non, c'est l'épée de cristal que j'ai. Mais après moi j'ai peut-être... J'ai mis lame que je peux pas mettre, alors je connais pas les noms à force. Hein. J'avoue, on a plein, mais... Quand il faut 1000 de force, moi ça m'intéresse plus. Hein. J'ai 0 en force. Mais météorite, ça me dit rien. Bon, je pense pas que je l'ai. Je pense pas. Tout ça, les ruines dans un coffre. Elle est super belle. Mais inutilisable. Pas utilisable pour moi. Katana aussi. Ah, d'accord. Des os. Ils sont un peu sur les dents, les villageois, là. Eh, vos copines, elles dansent là-bas, hein. Vous êtes vénères parce que vous n'êtes pas invités. Et bah, avec ces comportements, ça ne m'étonne point. Très bien. Bah, je vais regarder, alors, katana. Il y a un étage des katanas, non? Lame écaille de dragon, moi j'ai. C'est le seul autre katana que j'ai. Donc j'ai complètement pas. T'as dit que c'était où déjà? Dans un coffre. Où ça? Mais non, mais l'éclipse lunaire, en fait, c'est pas les stats qui sont intéressantes, c'est ça. Ça, c'est ça fait giga trop de dégâts. C'est trop bien. Et je peux le faire comme ça aussi. Et voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux faire un truc avec ça? Ah non. J'ai TNT. Non, mais j'ai pas fini Kaelid. Voilà des ruines de Kaelid. Genre de mob insecte. Ok, juste l'escalier à descendre et un coffre en bas. Faudra quand même que j'aille voir. Mais je vais y retourner quand je serai level 100 à Kaelid. Bon, je suis presque. Hein. Je peux rentrer dans aucun bâtiment ? Non, j'ai l'impression que je peux rien faire ici. Hein. Enfin, pour le moment. Après, les trucs qu'il y a sur les maisons... Peut-être qu'ils ont ça sur leur maison pour se protéger de devenir complètement dément. Et démente. Comme ceux qu'on a vus qui dansaient. Mais en même temps, si c'est ça devenir dément, moi ça me dérange pas. Tu danses et tu es content. C'est bien. J'ai pas 18 en Intel. Au début, j'ai pu passer, moi. Oui, mais bon, je retournerai tantôt, quoi. Ah, ça danse encore ici. J'entends la fête. Mais non, mais c'est parce qu'elles font la fête, en fait. Du coup, elles mettent des fleurs partout. J'adore. On voit pas assez souvent les gens être heureux, ici. J'entends une mélodie festive. Non, pitié.
me dépeçait pas. Ma peau est abjecte, croyez-moi. Ah là là, horrible. C'est juste ce que je me disais, on avait vu que bon, ça cramait un peu des cadavres. Mais après, si bouffer du cadavre te rend heureux ou heureuse, bon bah voilà. Qui peut être assez inhumain pour aller contre le bonheur en fait? Moi je fais pas. Oh, ça on peut rentrer ça. On peut rentrer là. Oui. Je vois pas comment, mais... Je sens que je peux rentrer. Peut-être pas, en fait. Parce qu'en plus, y a rien. Non, on peut pas. De toute façon, ça m'intéressait pas. C'est un grenier tout pourri. Là, je les tue pas, elle m'attaque pas. Franchement, hein. Tellement rare. Ah ! Je vais pas aller là. Oh ! There is a loot. Rundori. Il y a un de ces orages de malade. Les éclairs, on dirait plein jour. Ah, il fait plein jour. Ouais, mais c'est orageux, c'est pas mal de monde. Mais pas encore chez moi. Mais je pense que ça va, je vais y passer aussi. Et bim. J'ai fait... De toute façon, Khalid, j'ai fait quelques grottes. Boss et donjon de ma route jusqu'à Radan. Et je me casse. Ouais, c'est pas mon niveau du tout. Ouais, mais il y a des trucs qu'il faut que je fasse aussi. Bon, il y a un petit peu des mobs, mais sans plus. C'est une tour où tu dois aller jusqu'au sommet puis descendre à l'intérieur de la tour. Tu dois aller jusqu'au sommet par l'extérieur et descendre par l'intérieur. Et du coup, il y a des trucs et tout. Ça a l'air d'être très chiant, mais je sais qu'il y a du loot dedans. Et je l'ai pas fait. Je suis juste un petit peu passé sur la tour, mais j'ai pas fait attention des endroits où je pouvais passer, de comment je pouvais monter, tout ça. Juste looter quelques trucs sur le bord et c'est tout. Et ça je ferais bien. Quoique il y a quelques mobs, si il y a des mobs, et en plus c'est constamment en bord de vide. Du coup c'est très chiant. Il y a des trucs à looter, hein, j'ai vu. I saw it. Ah, ça, je t'ai pas vu, ça. Alors, comment je monte? Bah, comme ça, tout simplement, en fait, hein. Exalté. Oh, ça va m'aider à grand chose, ça. Ah. Ça me pétait la gueule. Vas-y, compris. Hello, Wally. J'ai venu ici, je peux rester? Oui! Alors, comment tu vas? Moi, je parle très fort. Comment tu vas? Hey, salut! Ça va bien? Salut! Mets des points verts partout pour plus tard. Oui. Je faisais un peu ça aussi. Je fais toujours un peu.
Un dragon, sa mère qui me crache sa putréfaction. Mais oui, je l'ai pas fait encore celui-là. Ouais, j'attends un peu. Just waiting, hein. Oh, ça c'est... Oh d'accord, d'accord. Attends, attends, je me prépare, je me prépare, je me prépare. Vas-y, je me prépare. Ça stun si j'en fais deux fois. Ça stun pas. Il me faut les petits. Oh, les petits sont là. Ah! Je teste mes nouveaux sorts, laisse-moi tranquille! Il est sauté. Trop dégueu avec ton long corps. Alors écorcheur sans que sans... j'ai pas lu fouet flamme noire, fouet de flamme noire, mais ça c'est une invocation, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que c'est pour les enchanteurs, les invocateurs, bref, pas pour les gens comme Wham, pas pour les sorciers slash mages slash astrologues. Slash too much swag. D'accord. Eh oh! Bah alors? Mais qu'est-ce que tu racontes le jeu? Mais je suis pas du tout au bon endroit enfin! Mais tu pètes un câble mon pauvre! Mais il est complètement sénile le jeu. Ah mais je suis complètement dos au camp! Mais je peux pas jouer dans ces conditions? Bon un coup. Un corps saucisse! On peut pas les faire. Nous les casus, ouais peut-être. Hein. De toute façon je retenterai vers 100 et quelques. Un peu patraque, je viens profiter d'un peu de ton joyeux sourire pour une fois, c'est gentil. C'est gentil, t'en es où Elden toi? C'est de la SMR pour moi. Je sais pas si c'est un cadeau. J'y suis pas sûr. Bon, bah voilà, un petit dodo là. Ah attends, j'ai combien de points? 35 000, c'est pas assez du tout. Faut pas assez en fait. Faut pas péter moi ça? Ah, il veut pas péter. Moi j'aime bien tout péter. Je fais ça souvent, mais pas toujours parce que je le veux. ASMR de XLR. Non, je vous ferai pas ça, je vous ferai pas ça. Pas plus de quelques secondes. Bon, ça c'est le bord de la map, hein. Mouin, 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 mouin. Oh, au fait. Je suis allée, en explorant un endroit que j'avais pas exploré, à des endroits, genre je suis allée ici. Il y avait un truc à faire là. C'était en dehors de la map, c'était même genre là, je crois, je sais plus. Et je suis allée... je suis allée dans plusieurs endroits en dehors de la map, quasiment. En fait, on voit au loin. Ah oui, je suis retournée au spawn, tu es le boss du spawn. C'était à côté, c'était là. Ici. J'ai eu des TP en fait. Et pour avoir ces TP là, on va aller ici. Voilà.
J'en ai encore un activé, je sais pas où il mène. Et j'ai pas ce qu'il faut pour l'activer. Voilà! Si vous me voyez looter une pielane de pierre imprégnée, vous me le dites wesh. Parce que des fois je fais pas attention aux trucs que je loot. Des fois je vais trop vite. Je suis un petit peu comme un esprit vagabond qui va de lumière en lumière pour un petit peu comprendre le monde. Mais parfois, mon errance se fait dans la précipitation. Ainsi je loupe des choses. Je sais pas, je peux te décrire le boss, mais je ne sais pas si tu vas être spoil. Ah ouais, j'avoue. Quelle zone plutôt? Mais tu as été dans des endroits que je connais pas. Ah! Mais en fait, oui, c'était un endroit à explorer où j'avais pas fait attention. Pourtant, j'aurais dû explorer. Capitale. Ah, d'accord. Ouais, bon, effectivement, c'est plus loin. Ah, mais dis pas, mais dis pas. J'ai raté. Attends, je vais faire mon coup stylé, tu m'embêtes. Voilà, je l'ai tué comme ça et c'est nul. Pas de truc séché, ok. Alors, du coup, là c'est qui? Noble au masque d'or. Eh ben on va aller là-bas. Hop. Un petit point là-bas. Occupé. Ah, je suis considérée comme aggro par des mobs avec elle. Non, c'était avec à cause du dogo. Oui, je vérifie si j'avais bien pris le feu. Si, si, c'est ça. C'est pas ce que tu es. Important de looter avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est quoi ici? Du loot un peu? Des petites plantes rouges. Je trouve jolies. Quand j'aurai ma maison dans le jeu, je mettrai mes petites plantes rouges. Raviole, viande crue. C'est quoi ce petit symbole? Ah, ça va dans mon coffre! Ça va dans mon coffre parce que j'ai plus de place. Faudrait que je fasse du vide. Je vais déjà vendre les milliers d'armes que j'ai en double. Et après, faudrait que je mette des trucs dans mon coffre. Ok! Et ben, je vais faire ceci. Ah! Je me tais à jamais. Oh non, non, non! Oh non! Restez parmi nous! Nous te kiffons. Désolée, je suis venue gratos, mais c'était pas ma route en fait. Laisse-moi. Voilà. Ah! Ah, mais c'est lui! Vous voyez, il est revenu! Va bien. Bon, je vais pas le retaper, même si j'ai très tentant. Demande d'aller là-bas. Oui, bah j'y vais, hein. J'y vais. Ah bon. Là j'ai la suite. Mais faudrait que je visite cette zone bien comme il faut d'abord. On va suivre le chemin. Ah ! Pas celui-là. Suivre quel chemin ? Oh je sais pas. On met un coup pour voir. J'hésite beaucoup hein. Une des rares streameuses que je peux regarder jouer à ce jeu tellement on est à la bourre. Oui c'est vrai hein. C'est que moi j'ai pris le jeu tard et je mets... Ah! Fuck! Et je mets beaucoup de temps à avancer, du coup... Voilà. Le spoil est lent.
Mais ça suffit à spoil quand même mon mode de grision qui est obligé de se... De ne pas regarder le live pendant que je joue. S'il n'a pas le jeu, il l'aura mais il l'a pas pour le moment. Et du coup, un peu de deg. Je vais peut-être m'approcher, non? Je suis tombé où? Elles sont où mes trucs? Je les vois pas sur la map en fait. Je les vois juste pas sur la map. Ah, elles sont là. Ok. Je vais éviter de retomber. Hein. On va faire un tour. Oh, alors, on va faire un tour assez prudent. Moi, j'oublie de quitter les jeux quand je regarde les streams. Je suis à 450 heures de jeu. Effectivement. Mais des fois, oui, en plus, ils se ferment mal. Mais oui, je comprends. Moi aussi, hein, des fois, quand je quitte le stream, je le ferme pas forcément. Alors souvent, vu que je stream le soir, je vais me coucher après. Donc de toute façon, il se ferme en éteignant le PC. Mais ça m'arrive assez souvent, ouais. Chercher les maps de temps en temps, mais oui, mais je découvre la zone encore. Et l'autre zone, j'ai découvert, je sais plus comment. J'ai eu des TP, je crois, et du coup, j'explorais après ce que j'avais autour de mon TP. Mais en soi... Le point disparaît? Ouais. Mais en soi, j'ai pas fait dans l'ordre. On va aller là-bas. Je peux descendre par là? Oui. Voilà. Ça me sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est pas grave. Oh, mais ici, il y a un truc à looter. Laisse-moi! Je vais quand même tuer les rats, mais... Mais bon, ils lootent jamais rien de très intéressant. Je peux descendre facilement. Par là. Ah! On me fait sursauter. Oh non, j'ai pas eu. Contre un mur, alors forcément, je rebondis dans tous les sens. Ah, mais t'as un petit coffre, toi, Lolo. Y'en a quoi? Il le tourne coffre quand même. Rune baie. C'est tout? Mais c'est décevant. Il avait un petit coffre à l'avant. Ah, j'ai même pas pu ouvrir le coffre et avoir un ta-na-na-na. Ah, je suis déçu quoi. Voilà, je suis déçu là. Bon, y a ceux qui traînent des conneries derrière eux. Je crois que j'ai déjà ouvert celui-là. Et plus. Ah, il est ouvert hein. Il m'a l'air totalement ouvert. Ah! Ah! Alors, je peux faire... C'est pas du tout ça que je vais faire. Je me suis trompée. Oh, il est trop loin. Ah non, il est pas trop loin. Elle... Attends, je te vois, toi! Pierre de sanctuaire. Enfin, je vais quand même vérifier parce que je crois que j'aurais déjà pété la gueule à eux. Ah non, hein! Il est fermé, hein! Gourdin est ici. J'ai gourdin et vous êtes trop deg. Ah! Il m'a fait tomber. Je vais pas les tuer, ils me font trop de la peine. En même temps, ce serait peut-être leur rendre service, quoi.
Leur sort a l'air trop terrible. Ouais, je vais les tuer, ils me font de la peine. Ça, vous voyez, comme ça, je vais vous montrer. Ça, c'est mon fragment grand. Ça, c'est les tout petits. Et ça, c'est les moyens. Ça, c'est grand. Je crois que je peux charger. Ah non, je peux pas. Par contre, ça, on va tester. Tester avec eux, tiens. Je crois faire ça. Non mais les lags, stop! Ah, j'ai voulu tasser un truc. Oh, mais je leur fais du mal. C'est pour votre bien. Je vous libère. Voilà. Je peux te libérer. C'est ridicule. Et voilà, vous êtes trop deg. Vous avez plus de coffres et plus de géants. Je suis une justicière un peu bizarre, mais c'est une forme de justice. Ouais, j'ai des frises, ça prouve que c'est la justice. Oh la flemme en fait. Salut STI! Non, pas STI. ST1679. Oh ah, mais oui, je me rappelle! Je me rappelle où je suis, je me rappelle pas. En fait, non, je connais pas. Rien du tout. Je raconte des bêtises. Merci beaucoup Annie. Mon bin n'a rien à voir avec le mien. Je suis en mode bourrin. Moi je suis en mode flippette lâche. Merci. C'est adorable, merci beaucoup. Est-ce que j'arrive à voir sur quoi tu étais? Non. Mais j'ai vu qu'hier en tout cas t'étais sur Assetto Corsa. Mais j'ai pas vu là aujourd'hui. Comment ça va? Moi j'ai tué, ils sont super faciles, lents et ils rapportent pas mal. Mais oui, mais pas tant que ça en fait. Non! Oui, tu es un pauvre chinchilla. Ça aurait été terrible. Oh non, ils vont rouler dans le vide! J'adore les moutons qui roulent quand ils ont peur. C'est vraiment le meilleur truc du jeu. Ils ont arrêté de rouler. runes. Chaque tue en 3 coups. Je trouve que ça va. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que... Enfin, vu qu'ils sont pas en masse et que à chaque fois t'es obligé de les faire repop, je sais pas. C'est pas le plus opti, quoi. C'est pas le plus opti, en fait. C'est pas, tu vois. Les lapins gourous. Ah ouais. Parce que c'est des lapins qui sautent. Mais ça dit, les lapins de base, ça saute un peu. Non, moi je trouve que ça a une tronche de chinchilla. Et de gerbile. Un charbile. Un chinchibile. Mais attendez, je voulais vous tuer vite fait là. La flemme. Je vais pas descendre de mon cheval. De mon chevache. Voilà. Comme ça, il me rapporte un peu de popo. J'étais pas sûre. Et ben c'est cool. Vierge de fer. Ah mais ça va, ils se battent avec. Je vais attendre un peu. Ah, il se fait latter, hein. Mais oui, mais mec, t'es trop au cac aussi, là. Tu fais l'erreur, faut esquiver un peu. On va regarder. Ils ont vachement de vie, quand même, hein. Je parie que moi, ils m'éclatent 10 fois plus. Et puis, bien sûr, comme par hasard, elle les prend pas dans son vagin, là. Moi, elle me faisait ça tout le temps. D'ailleurs, ça a débloqué un monde. Littéralement. Ah, les T-Rex de Kaelid!
Bah ouais, non mais bien sûr, comparer. Mais oui, mais si tu compares avec des ennemis horribles aussi. Les chiens raptors rachitiques. Et franchement, ils leur font que dalle, hein. Ils sont vraiment nazes. Hein. Bon, je vais prendre le loot, hein. Voilà. Est-ce que ça lui fera mal, ça? Ah! Elle m'a repéré! Oh oui! Oh, c'est un champion! Mais tu... Faut taper dedans, maintenant! Tape des dés! Nice, j'ai bien fait d'attendre. Et oui, parce que pour ceux qui connaissent pas cet ennemi, elle a une carapace, enfin une carapace, une... Je sais pas, elle est en matériaux tellement, tellement solide que seulement lui faire vraiment des dégâts, ça attend qu'elle s'ouvre, mais là, quand elle s'ouvre, c'est aussi qu'elle va vous éclater la gueule. Mais parfois, elle peut être stun, et du coup, he's ok. Voilà. Ça, vous voyez. Et là... Ah! Mais voilà, elle m'éclate un petit peu, mais je vais mourir. Oh putain, il me reste un PV. M'en fous, je bois. He's ok. J'ai repris de la vie, on voit la zif. J'ai bientôt assez pour prendre un level, moi. Hein? Tape Delphon. Je suis pas ta mère. Ah. On a encore deux. Mais c'est risqué, je vais pas les affronter comme ça, là. Je peux voir si je peux en attirer une. Voilà, c'est fait. Vite, recule. J'ai plus d'ana. Ah, j'ai oublié que c'était pas le... Oh non, il y a l'autre qui se mêle. Non. One by one. C'est pas assez pour toutes les deux, les filles, hein. Alors, attendre votre tour. Ah! Non. Bon, je vais attendre un petit peu, voir boire une petite popo. Bon allez, hein. Je voulais attendre qu'elle s'ouvre, mais c'est bon quoi. Pas deck, hein. Ah, j'ai encore pas eu le temps. Allez, suffit. Allez, d'accord. Non, vas-y. Oui. It's ok. Bon, il faut que je level up. Très vite. Une bonne bière au frais pour reprendre de la vie aussi. Et ben tu sais quoi, j'ai fait ça aussi hier et finalement je l'ai pas bu. Parce que j'étais de toute façon trop crevée, je suis allée me coucher. Un peu tard en fait. Mais bref. Je me suis dit non, je vais pas en profiter, elle va me casser encore plus. Mais là, j'avoue. Très bien saut. Tiens, attention, je t'envoie mes petits trucs là. Ouais, mais non, mais c'est... Elle en a rien à foutre des attaques physiques, elle. Oh la vache, elle m'a éclaté. Vite, boîte de popo. La vache, je fais suffisamment mal pour... Cette zone, elle est quand même en bas de... En bas de mon level, hein, clairement. Du coup, je fais suffisamment mal pour pas trop galérer. Alors que normalement, c'est vraiment l'enfer, ces mobs-là. Ah! On va les monter. Il y avait une échelle. Je sais plus où. Mais probablement... Probablement par là. Mince, j'ai vu une échelle, j'ai oublié où elle était. Il y a quoi comme matériaux? Laisse-moi les prendre, voilà. Oh,
punaise. Ah oui, on la voit vraiment pas, quoi. Ouh, let's go. Régal, on va avoir une bière. On va avoir plein de rhum. Toi, t'es au rhum? Quel rhum? C'est important. On va boire une bonne bière ensemble, je t'attends. Ah, c'est tentant. Bon, attends. Je monte. Ou je suis dans un endroit où je risque rien. J'aime bien aller à un campement quand même. Ah punaise, attends. Ah non, ça va. La VOD dure déjà une heure? Non. Ça va. Ah bien, un feu. Eh ben c'est très bien. Je passe mon petit level. J'en ai 60 000, dis donc. Il faut que je mette en Intel. Mais what? Attends, mais de base... J'ai combien maintenant avec mon truc? J'ai 52, du coup. Avec mes bonus. Et je vais pouvoir mettre mon nouveau bâton. Qui me donne un bonus de sorcellerie de 142... 147, c'est énorme. Qui rend S... Qui est mieux en tout, en fait. Par contre, en effet passif, il en a pas, je crois. Non. Mais mon autre n'en a pas non plus. Mon tout. Ah, par contre... Il y a une statue, là. Ouais, d'accord. Augmente la puissance de toutes les sorcelleries, mais augmente leur coût en PC. Ça, c'est chiant, mais j'ai un truc qui réduit leur coût, donc ça devrait aller. Il est plutôt classe, hein. Bon, de dessus, ça fait bizarre, on dirait qu'il y a une petite bouboule. Mais de dessous, ça va. Il s'allume de manière stylée, en plus, j'aime beaucoup. C'est très pile. Bon, je vais chercher de quoi me désaltérer. Je me pose une toute petite seconde. Voilà, vous pourrez regarder la vue. Je n'ai vraiment pour pas longtemps. À toutes, j'arrive. Non, pas cela, c'est des connards et j'en joue pas. Bon bah, après. Salut Jay, j'espère que ça va, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, j'arrive dans un tout petit instant. Un tout petit instant, un tout petit. .86. Oh non, non, non. Non, j'en ai plusieurs, mais je veux les découvrir à un autre moment. J'étais pris aussi des petites lèvres rubis, parce qu'en été, je trouve que ça passe toujours très bien. Mais sinon, j'en ai des bières que je connais pas du tout. Au frais, et je les goûterai tantôt. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que ça va. T'étais sur quoi? J'ai pas pu voir. J'ai pas pu voir. Mais je crois que j'avais vu ton planning et j'ai oublié. T'étais sur FIFA, on est dimanche, tu dois être sur FIFA, non? 8-6 Burk, ouais, non, faut pas des... Quand même, quand même. Oui, voilà. L'OGC naze, évidemment, évidemment. Oh, mon verre, il est bressé. Regardez. On voit pas. Si, on voit un petit peu, là. Là-haut, voilà. Terrible, ça. Ah, zut. Bon, j'en ai d'autres comme ça, mais j'en ai déjà pété un. Hein. Ça m'en fera un deuxième. J'ai tout un service juste pour moi. Parce que mon copain n'en boit pas. Lef, c'est pas ouf. Ah, lef rubus, c'est frais, ça fait du bien. Mais en live, je sais que ça sert à rien de faire des dégustations. Sauf pour le mercredi. Parce que c'est sympa, c'est un peu l'ambiance. Du coup, mes autres, je les goûterai dans d'autres contextes. Tu vas prendre full chauffe. Bah en fait je change tout le temps. Je change tout le temps. Je
Oui, je sais, mon boulot, franchement, il a à peine touché, ça va, ça va. Benner triple. Bien d'un petit brasseur. Ah, je connais pas. Il y en a plein que je connais pas, de toute façon. Allez, let's go. J'étais à la Lupulus. Lupulus, je connais pas du tout. Bonne nuit, Jay. À mercredi. Pour du Pummel Party. Non, là, la dernière fois, là, j'ai pris aussi une ginette. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai voulu goûter parce que je la vois tout le temps en rayon. Je pense qu'elle est pas dingue. Et une dont j'ai oublié complètement le nom. Un petit brasseur. Voilà. Moi, souvent, je les prends une par une parce que de toute façon, mon copain boit pas. Donc, je me prends pas de pack. Et au cas où les deux me déplaisent, j'en prends une classique. Ginette. Ouais, vous connaissez ou pas? Je connais pas, moi. Merci, Lix. Ah bah ouais, mais la lèvre rubis, en fait, c'est un peu une valeur sûre. Voilà, il y en a plein qui aiment pas. Il y en a plein qui considèrent que c'est une bière de gonzesse, machin. Le truc, c'est qu'en été, eh ben moi, je trouve que ça passe ultra bien. Parce que c'est assez fruité. Sans que ce soit non plus au point des... de certaines bières. Oh, trop stylé. Non, 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 me tape pas. Mais non, c'est trop stylé, il dormait à côté de son maître. J'aimais trop, bordel. Pourquoi? J'allais juste le looter et vous laisser. Oh, c'était trop stylé comme image. J'ai tout niqué. Du coup, tout le monde a la bière, Infernalo aussi s'y met. Info ou un tox? Ah, info ou un tox? Où sont-elles? Elles sont là. T'es obligée de la prendre parce que tu la vois en rayon? Genre, elle t'a fait pitié et tout? Non, c'est parce que je la vois tout le temps. Là où on... En France, il n'y en a pas. Oui, en France, c'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas. J'avoue. La Ginette. Mais oui, le nom est trop marrant. Mais c'est surtout que... elle a, enfin je la vois, voilà, je la vois tout le temps là au supermarché où je vais, et elle a des, voilà, elle a un nom et des étiquettes assez rigolotes, mais du coup parfois c'est juste une manière de se démarquer en ayant une bière lambda quoi. Et du coup je me dis c'est peut-être le cas de la Ginette, j'en sais rien, mais voilà, on la goûtera. Il y en a à Dunkerque, ah oui, dans le Nord il doit en avoir. C'est Ginette, c'est ma voisine. On va voir comme elle y va, Ginette. Bon, en fait, personne la connaît, c'est ça. On lui parle mieux de la Ginette, mais personne la connaît. C'est juste que c'est le nom. Écoutez, je vous dirai ça. Non, mais vise pas l'oiseau, on s'en fout. Je mets pas qu'un coup, je mets deux coups. Oula, il y a un gros balèze. Ah ouais. De sanctuaire. Mais c'est quoi une pierre de sanctuaire? J'ai déjà regardé en fait. Parce que je savais pas et j'ai oublié. Let's go! Ginette, la perfection en masculin. Ginette, oui. Ça va très bien ensemble. Alors, attendez, excusez-moi. Du coup, l'info ou un tox que je n'ai toujours pas lu des Olix. L'échelle de Bristol a été créée à l'université de Bristol et permet de catégoriser... Ouais, c'est ça. Et permet de catégoriser la... Mais on a déjà regardé ça. La consistance des excréments humains. Est-ce que c'est une info ou une intox? Et une échelle nommée Bristol qui permet de quantifier, de mesurer la consistance des excréments humains. De catégoriser plutôt. Attends encore un peu, elle est pas assez fraîche. Intox. Ah, une portée, eux. Flèche de feu.
Info, on l'a déjà eu, je crois aussi. Mais parce qu'en fait, je les range dans l'ordre d'habitude, mais à un moment, mon petit truc est tombé et tout s'est mélangé. Du coup, y a des trucs qui vont peut-être retomber. Je vous en lirai une autre pour compenser. Ne guidez pas. J'ai pas regardé, attendez, j'ai pas bien checké pour voir si je pouvais pas descendre plus bas, enfin descendre juste en dessous, en fait, de la plateforme. Parce que parfois, il y a des tout petits passages qu'on voit mal. Oh là, oh, ça fait bizarre, elle est... Elle a vraiment une texture, elle a... Oh, bordel! Les chaînes, elles ont vraiment une hitbox. Genre là, sur le petit rebord, peut-être que j'ai pu faire 10 trucs. Peut-être pas, j'en sais rien. Non, j'ai pas l'impression, hein. Allez, on se casse. Je descends. Est-ce que je peux descendre comme ça? Franchement, je pense que oui. De toute façon, je n'ai pas mes runes à perdre. Est-ce que je peux descendre comme ça? Moi, je pense que non. On va essayer. Beaucoup trop long hein, pour un truc où j'ai une échelle. Mais c'est pour la science. Ah, j'ai plein de consommables. D'habitude, je me retrouve... Mais attendez, mais ils sont pas dans l'ordre en plus. Ah mais non, ils sont plus dans l'ordre. Attends, attends le jeu. Comment que je fais? J'ai changé l'ordre d'affichage. Type d'objet. Ah là, c'est beaucoup better. Ouais! Rien à battre! Le panaché, c'est pas une pierre. Le panaché, c'est quoi en fait, à part de l'absence de fun? Alors, info Watox. L'échelle Bristol a été créée à l'université de Bristol et permet de mesurer la consistance des excréments humains. C'est une info. Nous ne vous souhaitons pas d'avoir le type 7. D'avoir les selles de type 7, bref. À chaque fois, les infos ne te donnent pas de renseignements supplémentaires. Ça te dit juste oui, c'est vrai, ou non, c'est pas vrai. Ça te donne aucune info. Je vais en faire une autre. Oh, ça, on s'en fout. Ah, c'est l'emmerdement total. Ah, ça, je l'avais déjà lu. Ah, tiens, c'est rigolo, ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Info Watox. Aux États-Unis, les numéros de téléphone allant de 555-01 à 555-01-99 sont réservés, donc 0100-0199, sont réservés pour être utilisés dans les œuvres de fiction. Info ou intox? Ça, franchement, si c'est vrai, je trouve ça trop cool. Je sais pas pourquoi je trouve ça trop cool. Du coup, est-ce que... Panaché, il y a 1% de bière. Donc une bière sans alcool. Non, il y a 1% d'alcool, du coup. Intox, info. Franchement, j'en sais rien. Je laisse un petit peu réfléchir. J'aime bien la récupérer, ma petite pierre, mais on peut pas. Elles font toujours des pierres, des couleurs différentes. Vas-y, je trouve ça hyper classe. Il y a des trucs hyper classe dans le monde. Tout est hyper classe. Vous êtes hyper classe. Moi, je suis hyper stylax. Et vous, c'est quoi votre style? Je peux descendre ici. Je peux descendre là. Je peux pas descendre là. Non, regardez, il y a un rebord. C'est quoi ce rebord? Comment je peux y aller? Il me semble que c'est vrai. Donc j'ai info, 3 infos, 4 infos, 4, 5 infos. Intox. Alors, est-ce qu'aux États-Unis, il y a une catégorie de numéros qui est réservée aux œuvres de fiction? Apparemment, c'est une info. Voilà qui explique pourquoi tous les numéros commencent par 555 dans les films américains. Trop stylé! Oui. Tout à fait, t'es hyper classe, ST. Tout à fait. Toi surtout même. Oh, qu'est-ce que c'est? Faire taper par des loups? Ah, je me doutais que c'était un ascenseur. J'adore les ascenseurs. Laisse-moi tranquille, je prends l'ascenseur. Bye bye! Ah
Ah non, bordel. Laisse-moi tranquille. Bah oui. Mais c'est tranquille, j'avais demandé gentiment. Ah mince. Bye bye le loup, bah, je te ramène à tes potes. Ah, l'œil de bête se met à trembler, ça veut dire qu'il y a une morte fleur dans le coin. C'est pas la range, mais ils ont des numéros réservés pour les numéros de téléphone et pour les plaques de bagnole. Oh mais j'avoue, on a pas ça nous hein. Le film Last Action Hero en avait parlé. Ah bon? Je connais pas. Enfin, j'ai pas vu. C'est une info? Ils ont... Donc... Oui, oui, c'est une info, le coup des numéros. Tout à fait. Les numéros de 555-01 à 555-01-99 sont utilisés que pour les œuvres de fiction. Et c'est super malin. Je m'étais déjà posé la question en me disant, mais attends. Imagine, dans un film, il y a un numéro de téléphone ultra iconique. Il y a forcément des gens qui vont tenter de l'appeler. Et quelle invocation est à présent présentée, tout à fait. Mais du coup, bah, s'il y a quelqu'un numéro, bah, ça fait péter un câble à cette personne, quoi. Et bah non, ils y ont pensé. Les Américains pensent à plein de trucs. Sauf au cholestérol. Mais ça, ça dépend. Plaisant, évidemment. C'est une blague beaucoup trop récurrente. Surtout pour des pays comme la France et la Belgique qui n'ont vraiment rien à leur envier. Oh non, pas ça! J'ai Friends au téléphone maison. Téléphone à Friends là. Ah ouais? Il est sympa Friends. Ah, c'est... C'est sympathique, assez, je dirais assez amical. Ah, ça one shot. Ah, en France aussi, ils doivent pas prendre des numéros attribués, on ne peut pas montrer la totalité. Oui, ce serait logique. Mais c'est qu'en fait, un numéro pas attribué, bah il peut être attribué plus tard. C'est ça le truc. Et ouais. Du coup, bah c'est toujours... Super, je suis débile. C'est que j'arrive pas à looter parce que comme d'hab il faut que j'appuie 15 fois. J'ai pas eu le temps. Ah oui, ça arrêtera là après. Oh, ça va être chiant. Ok. Moi j'y vais en courant, je m'en fous. Vous êtes tous morts, bande de losers. Ah mais c'est vrai qu'ils réapparaissent. C'est tout pas mort en fait. Voilà, là c'est bon. J'ai un loot ici. Super. Non, j'ai roulé, j'ai trop roulé. Bordel, tout ça pour un loot de merde. Ah, bosse-toi avec la perle. Tu peux prendre deux shots. Ah ouais? Quelle perle? Quoi tu parles?
Vas-y, reste là, t'as raison. Les yeux nuls. Mince, je pensais qu'il... Je pensais que quand il bougeait pas, il me faisait pas mal. Je connais pas la perle, tout le monde connaît la perle. Larmes dans les fioles miraculeuses. Moi, bon, les larmes, elles vont toujours dans mes... oui, pardon. Oui, j'avoue, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être faire ça. C'est vrai, j'avais pas pensé. Je le prends... J'y pense pour les boss, mais j'y pense jamais pour... Après, ça dure pas longtemps. J'essaie de le faire au deuxième. Non, mais j'ai gâché mon coup avec eux, ça m'énerve. Voilà, ça tient. Oh, joli! Ah. C'était stylé, mec. Je pensais qu'il allait mourir. Non mais stop! Arrête! Ah! Pardon. Mais il est de mourir à cause d'un mob juste qui me spam. Il arrive à se me spammer parce que ça m'énerve. Voilà. Il est déjà mort. Mais oui, voilà, faut que je tue la mort. Hein, au bout d'un moment, je peux pas tout faire. Non! Je peux pas. Je déconne. Bordel, je loot quand même. Non mais fais rien là, on... Pas grave. Oh, j'aurais pu y aller, j'avais le temps. J'ai plus le temps. J'ai un peu peur. Oh, je t'ai éclaté dans le dos, fils du nul. Allez, je vais prendre ma petite truc. Ok, je connais. Ça va être pas là, hein. Vous doutez qu'il y a quelqu'un. Bon, ça va, eux ils m'embêteront pas. Je vais mettre ma petite lampe. Ah! Arrête toi! T'es méchant?
Bon, y a pas de passage comme d'hab. Je roule comme une dégénérée sur tous les murs parce que bah parce que voilà, j'en ai loupé quand même quelques-uns des passages secrets. Bien sûr, il y a du feu. Ok. Fouiller tranquille au moins. Je m'en doutais. J'ai trop de trucs à fouiller ici, c'est immense. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Il y avait du feu aussi, mais je sais plus où. Voilà. Ah mais loot ! Y'a pas du feu ici ? J'ai cru... Bah non en fait, ah mais non, c'était la fin des flammes que je venais juste de faire disparaître qui restaient. Du coup ça m'a fait tout bizarre. Ouh. Ouais, je suis tombée sur un as. J'ai vu un squelette faire une attaque au pied. Oui, les pieds la charger en avant comme ça, c'était trop bizarre. Mais franchement, les points de swag, hein, ils sont là. Hein. Faut que je descende ou que je monte, je sais même pas. On est trop long à apparaître aussi là. Oui, voilà. Très bien. D'accord, j'aurai jamais le temps. Je savais pas là. Allez non! 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 J'ai voulu prendre Popo, ça voulait pas! J'ai paniqué là! Je crois que ça s'est un peu vu! Mais je vois pas par où je dois aller, ça m'énerve. Faut peut-être que je monte alors plutôt. Une fois arrivé là. Ça va être long, hein. Le fleur, il se lave un petit peu. Imite un corbeau. Imite beaucoup d'oiseaux. Côté albatros. Ah, ça m'énerve. La bonne... Oh mais please quoi. Non mais d'où il fait un demi-tour ici? Mais n'importe quoi. Mais d'accord. Il descend, mais je comprends pas en fait. J'en ai marre de me faire victimiser. Je sais pas, je comprends pas.
Pourquoi il fait des mouvements bizarres? Mais bordel, allez! Ça me ralentit de ouf la lave. Wouhou! Y'a rien qui va, ok? Il est où? Wouhou! Ah mais y'a plus de feu, bah oui je l'ai désactivé. C'est trop ballot. Remarque non, c'est quand même plus pratique. Bon, c'est là la suite. Je pense qu'il faut que je monte parce qu'en bas y'avait rien, on est d'accord. Ouais, ça a l'air d'être quand même plutôt ça. Ça va m'éclater? Ça va, les lames de pierre. Oh non mais d'accord, enfin je descends comment moi? Oh la pétasse. Pétasse de machine. Après je vais par où? Je vais rouler dessus par le jeu, oui. Littéralement. Faut juste apprendre à par cœur la routine du truc. Quoi ce donjon aussi? Bah en fait j'en ai déjà eu un comme ça. Mais non en fait ils te suivent quand même, c'est pas qu'une routine. Hein? L'autre me tire dessus de là. Mais comme tranquille quoi. Really? Non, moi ce qui me saoule c'est que c'est labyrinthique. Enfin, même pas tant que ça, mais. Je comprends pas la fin. Il y aura sûrement un boss, un truc, et là pour le moment j'ai un croisé. Allez! J'aurais pu descendre. Je me rappelle très bien ce donjon, il est chiant. Mais moi je vois là, j'en avais eu un comme ça, mais déjà il y avait pas de lave. C'est surtout ça. Il n'y avait pas de lave. Il était quand même quelque part un peu pratique quoi. M'énerve à m'esquiver. Et je dévisse pas aussi. Oui, m'esquiverait tout pareil, mais au moins je les virerais. Non, ça on a fait. Bon, alors là, je comprends pas la suite en fait. Ok, je suis montée, ça fait ça. Si je descends, bon bah c'est un peu naze. Alors, where is the next step? Aïe, 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 c'est pas un fion. Le temps là? Ouais bah vite fait, hein. Pas vraiment en fait. J'avais pas vu ça! Ah y'a un truc! Oh, trop flippant! Qu'est-ce que c'était?
c'est que ce truc? Je parie que c'est ça les trucs qui peuvent mourir que avec la lumière de Rosa là. What the fuck? Oh non mais il m'a éclaté, il m'a fait full saignement, j'ai rien pu faire. Comment il t'a défoncé? J'ai la ref. C'est une ref. En vrai, j'apprends, c'est tout. Dégage. Voilà. Même map que le boss ombre. Le boss ombre de quel truc? Oh, de Peter Pan encore elle. L'ombre de Peter Pan. C'est tellement mignon comme référence. Nanananananana. Bon. On va atteindre. C'est pas ça que je vais éviter. Bordel. Non pas toi. Mais toi. Mais tu me saoules. Ah, je vise les mauvais mobs. Oh. Trop saoulé. Ah, et puis je joue des trucs dont je me fous mais complet. J'ai pas looté. Mais je me fous, hein. Mais j'ai pas looté quand même. Voilà, des carreaux. Et ben là. J'aurais le temps d'aller sûrement en ban. Je sais pas. J'ai pas le temps. Devant mes... Quel enfer. Mais quel enfer. Regardez cette scène. Devant mes runes, devant le... On est au début d'une... en nécrolimbe, je crois. Je me rappelle pas. T'es rude ça. Un petit peu, ouais. Mentalement, ça pèse un peu, hein. Arrête. Méchant. Bien sûr, bah il se tue tout bas, là. Ah oui, j'avais oublié. Oh, il met trop de temps à remonter. J'aurais pu y aller. Apparemment, on peut les tuer, eux. Mais faut quand même pas mal de résistance. Putain! Et j'avoue.
Non, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Bah non, non, c'est l'inverse. J'avais oublié. Les téléportes sont saignement, ils peuvent te grab avec un genre de toile d'araignée. Mais je me rappelle pas de ça. Eh, fais-y patate. Vas-y, va. Tenté. J'ai pas vu ton... Non. Alors, faut que je fasse... Par contre, faut que je mette ma lampe. C'est quoi le nom de ma lampe? Lanterne, bon. Parce que c'est des mobs qu'on peut tuer normalement ou pas trop? Allez! Mais les lags me butent en fait. Vous avez vu tous les lags que j'ai en l'espace d'une seconde? Je savais... Enfin... Please quoi. Ah c'était trop. Au bout d'un moment le jeu veut juste m'éclater ma gueule hein. Ça va, vas-y patate. Ça va et vous? Oui, 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 oui ça va. En vrai tout à l'heure j'ai fait un bon tournoi donc ça va. Mais en fait... En fait, là, ça se passe bizarrement, alors... Bof. Laisse-moi tranquille. Je pensais qu'il était mort. Il était pas mort. J'avais oublié, j'avais oublié, j'avais oublié, j'avais oublié, j'avais oublié. Voilà, il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a marre. Chaque fois j'ai un doute. Où vais-je? Allez, je me prépare bien. Pas tout à fait prêt, je crois. Bordel ! Je la déteste ! Elle est où ? Là-haut ? Elle est là. Ok. L'âme de la menthe. Ah! La pression! Oh la pression! Oh la pression qui m'a mis le machin! Mais là, je peux pas faire la suite là.
Ça m'a servi à rien. Mais normalement, je suis... ça va. Je vais voir si je peux la tuer, cette truc. Je peux pas la viser, donc je sais pas si je peux la tuer. Est-ce que je peux... Salut Firezert. Re plutôt. Mais j'ai pas si suppositoire, mais tu peux... Je peux pas monter sur la colonne de feu pour avoir accès à un étage supérieur. Ah j'avoue, je vais tester. Qu'est-ce qui s'appelle la colonne de feu? Qu'est-ce qui s'appelle la colonne de feu, j'avoue. La tête de ton perso. Oui. C'est un masque déjà. Je vais juste mourir en fait. D'accord, d'accord. Il y a bien un chemin. Ok, ok. Je vais rater, je vais rater. Mais je sais pas. Je vais mûrir, attendez. On va prendre le temps de se poser. Je vais regarder là-haut. Ah, la colonne de feu. Ah, j'avoue. Elle peut peut-être m'envoyer en hauteur. Ouais, 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 ouais. J'avais pas pensé à ça. Un chemin, ça non? Oh, oh. Ok. Papillon flamboyant. Waouh. Oh waouh. Effectivement, c'est un chemin. Mais le coup de la colonne de feu, je testerai quand même. Évidemment, évidemment. Je vais faire comme ça. Non. Oh voilà, t'étais tout foufou, en fait maintenant t'es tout mort. Chevalier limier. Un chevalier limier? Ok, nice, nice. J'ai eu le boss. Chevalier Gelmir. Sympa. J'ai plein d'armures d'un coup. Du chevalier Gelmir. Je suis sûr qu'on en a parlé, mais je m'en rappelle pas. Un chevalier fermier. Exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Bon. Tous ces sets d'armure. Ouais, on va regarder vite fait, on va regarder. On va quand même regarder le petit équipement qu'on a pécho. Surtout l'armure de base. Alors, chevalier Gelmir. Et. Voilà, et limier. On va juste regarder leur look. Bon, elle est pas incroyable, esthétiquement parlant. On est sur de l'armure classique. Elles ont un côté un peu... Ah, j'aime bien la cape, par contre. C'est un peu rustique. Me déplaît pas. Mais par rapport à celle-ci... Bon, celle-ci, je l'ai lootée sur un boss assez balèze aussi. Hein. Je vais regarder un petit peu. Par le chevalier, ils ont autrefois juré allégeance au prêteur Rykard. Elle est ornée d'un emblème que nul n'aborde plus et qui représente un seigneur aux nobles ambitions s'étant depuis abîmé dans les plus abjectes dépravations. Lorsque ce seigneur abandonna sa dignité, ses chevaliers perdirent leur maître. Et enfin, le chevalier limier. Formé pour flairer les pistes des proies, les chevaliers limiers sont de redoutables chasseurs. Sans jamais prononcer le moindre mot, chaque chevalier choisit son propre maître. Ah d'accord, ah bah c'était... En fait on avait un maître et un de ses limiers.
Ok. Ok, ok. Allez, on va monter. Bonne nuit, Grisou. Je savais pas que t'étais toujours là. Bonne nuit, bonne nuit. Merci beaucoup. J'allais fermer un peu en boucle pour 3 armures. Ouais, super belle. Du coup, elles ont des stats de merde. Mais j'ai le swag. Mais je comprends, hein. Celle-là, j'ai de la chance parce qu'elle est belle. Et franchement, c'est l'une des meilleures que j'ai. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste d'être tombée là. Je suis un petit peu triste parce qu'il y avait sûrement d'autres trucs à voir là-haut. On y retourne, on y retourne. Quand même. Wouhou! Un petit peu vicieux ce chemin quand même. Après oui, je voulais quand même checker la colonne, c'était ça qu'on avait dit. Faut pas que j'oublie. Là sur les poutres, y'a rien? Ah non, peut-être pas. Y'a vraiment rien? Même ça là-haut, ça m'intrigue moi ça, mais bon. Je pourrais rien en faire. C'est juste que ça m'intrigue. Mais après, pas de loot quoi. Donc on se casse. Bon bagne. Bon, on peut partir. Je peux pas me TP. Ah voilà. J'étais un peu perdu là, je paniquais un peu. Mais il m'agace celui-ci! Pas encore. Hein, Garo? Faut vraiment que je rentre à pattes là? Oh, comme c'est lourd! Really? Really? Quoi, tiens, elle déchire aussi. Alors, elle s'appelle Armure Arboriforme du Creuset. Et en fait, c'est un... J'ai pas fini le donjon. Ah bon? Moi, je pense que si, hein. Et du coup, cette armure, je l'ai lootée après Nokron, dans le petit passage où on était allé là. Où après, il y a deux sortes d'immenses gargouilles à battre. Puis on va dans un cercueil et on fait des trucs bizarres et on arrive dans une zone. Oh, chapeau d'aristocrate, sympa. On arrive dans une zone. Je vais te checker. C'est jamais. C'est un truc de dingue. Oh, c'est beau ça. Je disais quoi? Ah voilà, il y avait ça aussi avec. Oh, c'est super classe, hein. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même classe. Ça me donne accès à une zone qui... Quoi? Ah mais oui, 52 dintel, il met un truc en rouge, mais j'ai 52 dintel normalement. Mais pas... Voilà, avec ce casque que j'ai. Et voilà, une zone où il y a ce boss là, faut bien la fouiller, et puis voilà. J'ai même pas trouvé la porte à ouvrir, mais il y en a pas dans ces trucs comme ça. Y'en a pas des portes à ouvrir dans ces trucs comme ça, si? Ah, j'avoue que si j'ai une porte à ouvrir, je suis pas fini, hein. Un petit peu un merde quand même. À chaque fois on a une. Oui, mais ça c'est pas des nécro machin. C'est pas des catacombes ça, là où je suis.
C'est des donjons différents, ça. Super science donjon. Mais quel enfer. Donc ça veut dire que j'ai pas battu le boss alors. Je croyais, parce qu'il y avait un gars, il y avait plein de loot, ça ressemblait à du boss, quoi. Éclate. Ah non. Un boss optionnel. Ouais, mais d'habitude, la porte, on la voit très vite. Je vais remonter alors, je vais regarder là-haut encore. Je sais pas si j'aurai le temps. Ah, mais oui, mais c'est vrai que je vais mourir ici. Ah non. Ouh. Trop sereine. Paris to Ray. Ah oui, d'accord. On va s'éclater là. Rip. Ouais, on est d'accord. Hein. On peut même être fou là, on sait jamais. Vu que bah, c'est là-bas que j'ai pas exploré, je pense que... Je pense qu'on est dans la merde. Merde ! Ah, fais gaffe, mais je voulais voir un petit peu. Allez. Quoi? Tu rigoles? Oh oui, non, mais je vois depuis où je dois y aller. Il me dit qu'il y a une plateforme sur le cheval. Et il a raison. C'est complètement ça. Ça va être affreux! C'est pour ça que depuis là-haut, je peux... Oui. Oui, je peux sauter dessus un moment. Et je me disais, mais c'est bizarre, il y a des poutres au-dessus, je peux y accéder, mais ça sert à quoi? Je me demande bien. Il pleut chez moi, ça devrait plus tarder chez toi. Ouais, ça va être orageux. Mais par contre, je sais pas comment passer là. Regarde, il y a des poutres. Là, c'est au-dessus. Ouais, je peux à peine sauter. Tu vois, il est là. Tu vois en bas, tu vois à gauche là. Oh! Il y a ici une corde. Attends, il y a une corde, je peux pas faire. Oh! Oh la chauffe! Easy! YOLO! Ouais, je regarde. Je vais attendre un second passage. Ouh, je bouge un peu. Non, merde, allez, je t'en prie, passe. Ah, ah putain. Chat sur 20, j'avoue. J'avoue que la manière dont je suis arrivée sur la plateforme, j'ai même pas vu ça. Ah bon, ça veut dire que c'est même pas ça? Incroyable. Mais c'est surtout toi, hein. C'est toi qui m'as dit, je crois qu'il y a un truc sur la... sur le cheval. Wouah. Mais... ça va trop loin. Chance de coq. Ça va
Ah, beaucoup trop loin là. Oh punaise. Hello. Ok, bah voilà, il est là le boss. C'était facile. L'officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le savait. Tellement énorme. Ouais, j'avoue que là c'est... c'est assez énorme, ouais. Allez, on va faire le boss. J'ai plus de popo. Mais heureusement, il y a de quoi réapparaître pas loin. Je vais aller comme ça, on verra. Oh non, pas un loup. Ok, 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 ok. J'ai oublié mes touches. Non, j'ai voulu esquiver, j'ai pas réussi. Oui, non, mais là, j'ai même pas le temps de... Hein ? Le temps de rien faire, hein ? Je capte rien, je suis pas du tout passée comme ça. Bah, toi, t'es passée en allant dans la lave, j'imagine, non ? Effigie, évidemment, ne pas faire l'erreur, hein. Parce que si t'as une résistance, pardon, je vais faire un petit peu gaffe en articulation. Si t'as une résistance à la lave, ça peut le faire. Merci, hein. Parce que tu peux faire comme ça aussi, quoi, non? Ok, je vais le viser, je vais le viser. Oh, il est trop loin. Il est trop loin. Ça lui fait mal, ça lui fait très mal. Parce que c'est pas de la magie. Enfin si, c'est de la magie, mais c'est physique. J'ai pas pris ma popo avant. N'importe quoi, j'esquive comme ma caca. J'esquive vraiment mal. Ouais, ça lui fait trop mal aussi ça. J'ai plus de mana, c'est pas terrible. Vite. D'accord, j'ai voulu prendre la popo, il a pas voulu. Non, pas de... Bah, non, mais non. Bordel. Un petit coup. Félicitations. J'ai galéré pour trouver un mécanisme ouvrant la porte. Ah ouais? Mais y a un mécanisme? Merci. Oula, j'ai failli aller dans le truc qui brille avant. GG, merci beaucoup. Morte fleur. Eh oui, la fameuse morte fleur, je l'avais oubliée. Merci de m'avoir dit de rester dans le donjon. Oh voilà. C'est une invoque Elise aussi, je pense, ouais. Quand on les loot sur des boss comme ça. Oui, oui, bah oui, non, c'est une invoque Elise. C'est une invoque Elise qui a écrit Chevalier Limmy. Ah, pas forcément, attends. Pas forcément, on va voir. Elles sont... Oh, pantin de Noctedame. Noctedame. Ils ont l'air trop stylés, eux. Faudrait que je les teste un jour. Ah ouais, complètement. Flo. Oui, c'est ça, Flo. Il a l'air stylax, hein, Flo. C'est celui qu'on a battu en fait. Il est assez... Il se déplace un petit peu comme un chat. Rebus ils ont fité. Faut jouer avec les colonnes de feu si je me souviens bien. Mais il n'y en a qu'une en fait. Tu confonds peut-être, non? Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Après peut-être que effectivement autour de moi il y avait un mécanisme une fois que j'étais en l'air que j'ai pas vu. C'est possible. J'en ai vu qu'une colonne donc... Mais ouais c'était peut-être là. En tout cas voilà. Ça va toujours pas très bien. J'ai arrêté la VOD ici parce qu'on a fait des trucs de fou. Non, pas arrêter streaming, la VOD c'est en dessous. Au revoir VOD, bisous.